Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous sommes réunis dans cette église de Saint-Noël Chabanel aujourd'hui pour accueillir notre frère. C'est pour entourer de notre affection, de notre amitié, de notre sympathie tous ceux qui sont dans la peine.
On va affirmer ensemble que tous ces liens que nous avons tissés ne s'arrêtent pas avec la mort. On va prendre le temps de se recueillir, de faire silence, de réfléchir, d'écouter la parole de Dieu et de célébrer l'action de grâce par excellence, l'Eucharistie. Et c'est pour nous rappeler aussi que tout ce qu'il y a eu de beau, de bon et de vrai dans la vie de Pierre Michel, Dieu ne l'a pas oublié. Alors, cette heure, c'est une heure de prière, c'est une heure d'offrande, c'est une heure d'imploration aussi de la miséricorde, afin que le Seigneur lui accorde son repos éternel. Ajoute un couvert, Seigneur, à ta table. Tu auras aujourd'hui un convive de plus. Ajoute un couvert, Seigneur, à ta table. Reçois-le bien chez toi, car il est notre ami. Tu es venu t'asseoir aux tables des pécheurs pour faire de leur repas des havres de pardon. Ajoute un couvert, Seigneur, à ta table. Tu auras aujourd'hui un convive de plus. Ajoute un couvert, Seigneur, à ta table. Reçois-le bien chez toi, car il est notre ami. Frères et sœurs, notre ami Pierre Michel nous rassemble, et ce n'est pas dans n'importe quel lieu. Nous sommes dans le plus haut lieu du monde, c'est la maison de Dieu. Et dans cette maison, c'est le lieu de prière, comme Jésus l'a si bien dit. C'est le lieu de la rencontre, c'est le lieu du dialogue, c'est le lieu de l'accueil, c'est le lieu de l'amour. Alors nous allons prier ensemble pour notre frère Pierre Michel, que le Seigneur a bien voulu rappeler auprès de lui. Pour célébrer cette célébration, nous avons mis différents symboles qui viennent nous aider à entrer en communion avec Dieu. Le crucifix. La plus grande preuve d'amour, c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et nous savons que le Fils de Dieu fait homme, le Christ, le Fils, Jésus, a donné sa vie pour que nous puissions vivre éternellement. Des magnifiques fleurs qui viennent manifester toute la tendresse, tout l'amour, toute l'affection. Et une fleur, c'est un langage des profondeurs. Quand les paroles ne peuvent plus, une fleur vient nous amener plus loin pour dire tout l'amour que nous avons envers notre frère. Il y a ce cierge pascal, qu'une petite flamme toute minime, mais aucune ténèbre de ce monde ne peut l'arrêter de briller. Elle est d'une puissance extraordinaire. Elle représente le Christ ressuscité, lumière du monde. Voilà pourquoi nous y trouvons en lui notre espérance. Frères et sœurs, c'est dans cette foi chrétienne que nous nous rassemblons devant l'autel, et humblement devant Dieu,
reconnaissons-nous humblement pécheurs. Kyrie Christe, Kyrie eleison, Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu nous as révélé, Seigneur, que près de toi, ceux qui sont morts vivent à jamais. Ceux que tu as sanctifiés ont enfin le bonheur. Les yeux de ton serviteur, Pierre-Michel, sont désormais fermés à la lumière du jour. Et si nous voulons retrouver son sourire, nous devons nous-mêmes fermer les yeux. Accorde-lui ce que nous désirons tous, la joie de te voir à découvert. Toi qui nous as créés dans ton amour pour que nous connaissions ton visage, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Frères, nous avons été baptisés en Jésus-Christ. C'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Si par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi. De même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous sommes déjà en communion avec lui, par sa mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que cet être de péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons, nous, que nous vivons aussi avec lui. Nous le savons, en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord,
allant de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Alléluia, 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 amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, « Je pars vous préparer une place ?» Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. On m'a dit qu'il y aurait un témoignage. Mon père, comment décrire l'homme qui était Pierre Michel? C'était un homme qui avait le don avec les mots, mais dont les mots ne suffisent pas pour faire son éloge. C'était mon père, mais c'était aussi le père de plusieurs. Jamais un anniversaire passé sans un appel de papy. D'ailleurs, c'était souvent le premier à vous appeler. Sa fête, c'était une journée, un événement qui était tellement important pour lui. Et puis pour son 70e et dernier anniversaire, il était entouré de sa famille, de ses amis, d'amour et de doux sentiments. C'est le souvenir dont je vais m'accrocher. Mon père, son sourire, son rire, son garage, sa bière, son monde et sa joie de vivre. J'ai trouvé un passage dans un poème de Adrian Mitchell qui définit bien le sentiment que son départ évoque. « My father died some years ago. I loved him very much. When he died, my love for him did not vanish or fade away. It stayed just about the same, only a sadder color. And I can feel his love for me, same as it ever was. » Le monde sans mon père, c'est un monde qui est juste un petit peu plus gris.
Je voulais finir sur les mots de Jamie Anderson sur le deuil qui dit « Grief, I learned, is really just love. It's all the love you want to give, but cannot. All of that unspent love gathers in the corners of your eyes, the lump in your throat, and the hollow part of your chest. Grief is just love with no place to go. » Mon grand, Wobo, Pierre-Mi, papy, je vais trouver une place pour tout l'amour que j'ai pour toi. Une place qui est digne de la personne que tu étais. Bien que ton départ laisse un vide immense, la marque que tu as eue sur toutes nos vies, quant à elle, reste indélébile. Regarde les gens que tu ramènes ici réunis pour toi, papy. Ça, c'est Pierre-Michel. Je t'aime. Maintenant, tu reposes en paix. Merci pour ce témoignage d'affection et d'amour. Nous avons entendu tout à l'heure la parole de Dieu. Il y a dans le milieu de cet évangile une parole qui attire l'attention. Sans passer par moi. C'est le Seigneur Jésus ressuscité qui parle. Il est la parole de Dieu fait homme. Et nous sommes ici dans la foi pure. Et la foi, on se comprend, veut dire que nous adhérons à quelqu'un. Adhérer à une volonté, une liberté, un amour. Et la foi n'est pas une affaire de connaissance. La foi relève du cœur. Il y a Dieu et la création dont l'homme fait partie. Nous sommes des êtres créés image et ressemblance de Dieu. Et dans cette perspective, nous sommes alors en relation avec Dieu de par notre âme. Dieu, invisible, esprit, se rend présent au milieu de nous en prenant corps, un corps de notre humanité temporelle. Dieu prend un corps pour mieux s'approcher de nous et nous faire ainsi connaître sa volonté. C'est l'ange Gabriel qui dira à Marie, « L'enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. » Et Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous, nous dira, « Je ne suis pas de ce monde. » Et il nous enseignera le chemin, la vérité et la vie. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, dira Jésus. Ceux qui se sont fait baptiser à la suite de Jésus-Christ seront désormais appelés chrétiens. Le chrétien, ce sera celui qui aura une relation intime avec son Seigneur. Il mettra sa vie entière à suivre le Christ en comptant sur la grâce de Dieu. Et nous avons tous été consacrés à Dieu lors de notre baptême. Et depuis, notre corps est devenu le temple de l'Esprit-Saint. Voilà pourquoi nous respectons notre corps, créé à image et ressemblance de Dieu. Et ce matin, un frère a été appelé à la maison du Père. Nous sommes de la famille de l'Église. La foi nous unit, nous rassemble pour l'offrir au Seigneur, afin de lui demander de lui accorder dans sa grande miséricorde la place qu'il est allé lui préparer.
Jésus a fait naître au milieu de notre cœur l'espérance. Et nous savons tous que nous appartenons à un monde qui connaîtra une fin. Mais nous sommes créés pour la vie. Et c'est ce que notre frère, ce matin, nous célébrons son entrée dans la vie. Une vie éternelle, sans souffrance, sans mort. Une vie où le bonheur et la joie, la liberté et l'amour règnent sans fin. C'est le règne de Dieu. Et c'est le règne qui est offert à toute personne qui daigne tourner son cœur vers le Seigneur de la vie. Dieu amour ne forcera jamais quelqu'un à l'aimer. Mais cependant, il va lui tendre la main. Et c'est ainsi que Dieu, dans sa grande miséricorde, nous accueille avec tout l'amour infini qu'il a dans son cœur pour chacun et chacune d'entre nous. Il nous apprend à aimer, il nous apprend à pardonner, il nous apprend à vivre ensemble, à être unis, il nous apprend le chemin de la fraternité, il nous apprend le chemin du bonheur, et il nous dit « Suivez-moi ». Alors le chrétien, il a un guide extraordinaire en la personne du Christ, le ressuscité, et en lui, nous pouvons y mettre toute notre confiance, notre joie, notre bonheur. Demandons au Seigneur. Tout à l'heure, nous allons déposer notre frère sur l'autel, dans la patène. Nous allons lui demander de daigner lui accorder la miséricorde et de l'accueillir pour la place qu'il est allé lui préparer, afin qu'il y vive heureux à jamais. Amen. Au moment où la mort nous prive de la présence de Pierre Michel, notre prière veut rappeler combien sa présence nous était bonne. En nous rappelant sa mémoire, nous demandons au Seigneur de se souvenir de lui dans son amour. Nous répéterons, « Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. » Pour sa part de travail chaque jour et pour le cœur qu'il y mettait, « Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. » Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour l'amour qu'il nous a donné et pour sa manière unique d'être présent dans nos vies, afin de rendre heureux ceux et celles qu'il aimait, souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les peines qu'il a supportées et pour sa part de bonheur et de joie dans notre vie, souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour chacun et chacune de nous qui partageons le poids de son départ aujourd'hui et pour les liens qui nous rassemblent autour du dernier signe de sa présence, souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Seigneur notre Dieu, toi qui es passé parmi nous en faisant le bien par Jésus, ton Fils, accueille aujourd'hui Pierre Michel, qui nous a donné tant de bonheur, et reçois-le dans ta maison. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Il y aura une collecte en faveur des messes pour Pierre Michel. Je crois en toi, mon Dieu. Je crois en toi, vivant mystérieux. Si
près de moi. Dans tous les désarrois, tu garderas ma foi. Je crois en toi, mon Dieu. Je crois en toi. J'espère en toi, mon Dieu. J'espère en toi. Ta main du haut des cieux prend soin de moi. Il deviendra. Quand sous les phares je ploie, quand sombre toute joie, j'espère en toi, mon Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prends en pitié, Dieu souverain, l'âme de Pierre Michel, ton serviteur, pour qui nous te présentons humblement le sacrifice de louange, que cette offrande de paix et de pardon lui obtienne le repos de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul, en acceptant la mort, nous arrache à la loi de la mort. Lui seul, en donnant la vie, nous fait vivre éternellement pour toi. Avec tous les saints du ciel, nous pouvons dès maintenant te rendre grâce en chantant. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, il donne la vie. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe,
De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Présenter ses mémoires de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Monseigneur Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de Pierre Michel, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, ton Fils bien-aimé. Parle-lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. »
Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. La paix aura ton visage, la paix aura tous les âges, la paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. La paix, elle aura ton visage. La paix aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, ton esprit me soutienne et me donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Je demanderai à tous les chrétiens catholiques qui vont venir communier de bien vouloir consommer la Sainte Hostie devant le ministre de la Communion. Fructus ventris,
ventris tui, Jesus. Ave Maria. Fais briller sur nos frères et sœurs, Seigneur, ta lumière éternelle, qu'ils entrent dans ta joie en compagnie des saints, car tu es bon. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, pour Pierre-Michel, ton serviteur, dont l'âme est aujourd'hui sortie de ce monde. Permets que, purifiée par ce sacrifice et dégagée de ses fautes, elle obtienne avec ton pardon le repos de l'éternité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bénissons le Seigneur. Nous allons poser deux gestes très significatifs avant de nous quitter. D'abord, nous allons asperger la dépouille de Pierre-Michel en rappel de son baptême qui a fait de lui un être nouvellement créé. Et nous allons aussi encenser son corps par respect parce qu'il a été le temple de l'Esprit-Saint. Recueillons-nous dans cette espérance. Marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent, comme
comme un enfant. Que les fleurs ont aucun doute et qui sourit en rêvant. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Comme un enfant tient la main de son père sans bien savoir où la route conduit. Comme un enfant chantant dans la lumière, chante aussi bien dans la nuit. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Seigneur Jésus, regarde avec amour ceux qui sont dans la tristesse, accueille leur prière pour celui qu'ils pleurent. Toi seul es saint, toi seul es capable de miséricorde, pardonne à notre frère Pierre-Michel toutes ses fautes. Tu t'es livré à la mort pour que tous les humains soient sauvés et passent de la mort à la vie. Ne permets pas que Pierre-Michel soit séparé de toi, mais puisque ton amour est plus fort que la mort, donne-lui de vivre dans la lumière, le bonheur et la paix pour les siècles des siècles. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Allons dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Alors, je voudrais remercier le salon funéraire de Éternité et M. Gilles Watson, le directeur, pour le service qu'il nous rend ce matin. Merci à vous tous. Vous êtes une assemblée extraordinaire, très nombreuse. On sent que vous êtes unis et c'est ce qui fait la beauté de notre vie, portée dans l'espérance ensemble, en communauté. Alors, la famille daigne vous inviter à passer par la porte de ce côté-là pour vous rendre au sous-sol afin de prendre un petit goûter. Merci de votre présence. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère que Dieu si grand a pu penser à moi, quand son cher Fils est devenu mon sauveur et que je suis l'héritier
la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Mon Sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour.
Thank you.